Félicitations à Big Fish pour sa belle victoire sur Quimporte. Merci, merci. Après avoir failli choke un edge guard, il a juste downé un dans le vide, puis Quimporte a sauté dedans. Ben, fait, c'est plus Quimporte qui a choke on parle... à la base. Non, non, on parle pas de cette, on parle pas de cette partie de l'histoire, ok? Mais ouais. Genre, j'ai pas eu d'edge guard, mais je le méritais pas vraiment à la base, fait que c'est bien fine. Ok, Oli Pipe, Rito, ça c'est intéressant, alors je trouve ça le style. Wow! Oh, c'est cute ça! J'ai même pas vu qu'on a eu ça, moi là. Je regarde. Ça a été envoyé il y a 2 minutes. Si ça peut te rassurer, là, ça a été envoyé il y a 2 minutes. Allez, allez. Ouais. Bon, on va parler. On va regarder des Alors, photos. Alors, oui, le set est déjà commencé. Ben oui. C'est déjà Rudo. Holy Pipe, Rudo, ben oui. C'est commencé. Est-ce que c'est normal qu'on n'a pas l'audio du jeu dans les casques en ce moment? Pas tellement, mais. Est-ce que ça veut dire que les gens à la maison, vous n'avez pas l'audio du jeu en ce moment? Je pense que oui. C'est très possible, oui. Ouais, les gens en ce moment, ils n'ont pas l'audio à la maison. Puis c'est. Oh, hey, 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 il se passe de quoi là? Oh, 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 oh. Mais c'est pas dramatique, je veux dire, on va. Oh my god. Ben, est-ce que non, c'est on dramatique? On se lève vite parce qu'ils ont décidé. Ah oh, non, sinon c'est. Ben, je tiens à dire, je sais pas ce qui s'est passé qui est différent ce soir. Ah, oh, ben c'est probablement juste la façon qu'on a seté les lumières, mais l'éclairage sur les joueurs, waouh! Ouais, ouais. Regarde à quel point nos deux joueurs sont resplendissants dans cet éclairage-là. Oh, nice, Edgeguard. Holy Pipe, il est quand même pas peur pour aller Edgeguard loin, faut qu'il fasse attention parce que. Ok, ouais, là, c'est ça. Là, that's enough, je vais turn ça down parce que je vais vibrer. Parce qu'en plus, il demande de l'aide dans le Croix-Rouge. Ben, vu qu'il manque d'un peu de bénévoles, il demande de l'aide dans d'autres équipes. Fait que ça vibre trop. Okay. Fait que je vais ignorer ça pour le moment. Croix-Rouge gang? Croix-Rouge gang. Non, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de bénévoles disponibles dans une autre équipe. Là, puis il y a quelqu'un qui y va. Là, je l'ai vu. Oh my god, Holy Pipe, c'est pas de Dutch Gun. Ouais, Rudo, Holy Pipe, je sais pas, ça fait combien de temps que. Oh my god! Rudo a pas pris de set à Holy Pipe. Je tiens à dire que avant oui. Ce set-là. Nice. Rudo est venu jouer des friendlies contre moi justement pour son warm-up contre Holy Pipe. Ouais, ça arrête ça. Mais Holy Pipe a un Falco aussi, faut pas l'oublier. Ouais, Holy Pipe a un Falco. Mais Rudo aussi a un Falco. Ouais. Tout le monde a un Falco. Ouais, le petit fucker, il me traîne sur Yoshi Story pour me clip farm. Everybody's Falco. On s'entend que ben, pendant un mois de Québec, c'était Falco Nation en ST. Là. Ouais, bon, je m'excuse de jouer ici. On dirait même que la bracket va se finir finalement à genre 10h, 9h45, 10h, mais c'est pas grave. À ce point là, ça prend plus que 15 minutes par set? Ça dépend vraiment ce qui se passe, je veux dire. Ça dépend aussi si les games vont game 5, les enfants vont game 5. Genre, moi, ce qui importe en général, c'est quand même pas des sets tant rapides que ça. Il y a beaucoup de, non, par, de patience et d'attente. Là, on est occupé une opening puis des cases l'autre. Oh non! Holy Pipe qui donne un petit coup de main qui fait un SD assisté. Indeed. Ah. On pourrait aussi essayer de fixer l'audio du jeu en deux matchs, mais en deux sets, excuse, mais. Ouais, c'est pas grave. Moi je pense que c'est parce que la personne a run avec le mauvais mail. Oh my god! Ouh! Ouais, better. Il se défend quand même. Ok. Oh! C'est reversal, c'est fortunate. Peux-tu enlever s'il te plaît? Ouais, merci. Ok, ouais, just DI stuff, mais c'est pas si facile que ça contre Rudo. Rudo, on a vu d'autres chic à part Holy Pipe. Ouais, oh le soft back air, ça sera pas assez pour tuer. Oh le gentleman, toi tu vois pas de jump en ouais, passant. Ça tirera pas par exemple. Oh non! Mais tu peux garder le ledge, j'ai quand même beaucoup de temps pour aller punir chic une fois qu'elle atterrit de son hobby. Ouais, c'est pas si awkward un peu parce que genre, si tu réussis à lander vite sur stage avec c'est toi qui est fou, il y a comme un petit hauteur awkward que tu landes vite, pis là t'as comme pas tant que ça finalement. Mm-hmm. Je parle surtout de FOD. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, oh, il manque réussi à le down smash. Ok, Dungeon Gentleman, ça tue. S'il grave le ledge, oui, mais non. Non, Rudo, ça ne tente pas de graver le ledge. Rudo, c'est pas un ledge graver en général. Ok, le gentleman, ça tue. Non, pas encore à tuer. Toujours pas de kill. Ok, non, nice. Oh, ok, c'est bon. Mais c'est quand même pas si pire, il est juste stock down sur le plus gros counter pick du matchup au grand complet. Ah ouais, non, ça fait mal ça. Chic est vraiment pas pire sur FOD. Falcon c'est pas très bon. Ouais, ben ça m'a surpris quand il a resté sur Falcon sur FOD dans notre match. Ben il a switch à Falcon même. Il a switch à Falcon pour aller sur FOD, je suis comme.
sais, dans ma tête, je me dis, ben, je vais aller sur FUD, il va garder son Falco est free, je vais prendre la free win sur FUD, genre. Yeah. Mais il est resté Falcon, j'étais comme, wow. En fait, il est sur Falcon, j'étais comme, what? What is bro doing? Huh? Okay, j'ai fait la même face que Mewtwo King quand il a le counterpick FD, juste genre. Ouais. Ok, il y a du chic movement, il y a du chic stuff, ça brasse, ça brasse. Ah, oh, cette année-là aurait pu être puni. C'est un top 3 payout. Top 3 payout, c'est pas beaucoup. Non, il m'en est 8. Ouais, c'est vrai. Et je peux dire que j'ai fait top 5. Nice. Emoji sourire. Dans le Smash, ça va te sourire. Alors, Rudos, dernière stock sur FOD. Est-ce qu'il peut faire le comeback ou est-ce qu'il va devoir counterpick pour avoir la prochaine game? Il fait du Patrick Pichette, il fait way dash in, way dash back, way dash in, way dash back, il vient de chercher une ouverture. The King of Pop, Rudo. Yeah. Oh! Oh, c'est beau ces sweet spots là. Oh oui, up throw, ouais. Oh, oh, stomp! Il était tellement prêt pour ce spot dodge là, mais juste un petit peu d'exécution. Ouais, bien exécution. Mais pour ça, Holy Pipe sort la tape et ta mouche, il fait WAPAH! Get the fuck out of here! Yeah. Paf! Alors, 1 à 1, la mouche a été tuée. Où est-ce que la mouche counterpick? Moi, je pense que c'est... Oh oui, Pokémon Stadium! Pokémon! Ah, oh, le jab ça fait graver. Mais dans, c'est... Rudo est un petit peu plus dur à trick avec des grabs juste sur... Même si pas un grab en tant que chic, Rudo est quand même des stuff. Plus que Julexi pour continuer mon shit talking. On est dans le shit talking de Rudo, ils en mettent un meilleur partner que Julexi secrètement. Honnêtement, c'est possible. C'est possible, hein, parce que... Moi, je pense que Rudo exprime plus de diversité puis de mastery de techniques différentes que Julexi. Mais Julexi bénéficie de ce qu'il fait, il fait vraiment fucking bien. Ben, ce qu'on est en train de dire, basically, c'est que Rudo, c'est Bernie Sanders puis Biden puis Julexi, c'est Trump. What the fuck? Ouais. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Non, mais on parlait de diversité. Je pense qu'il lequel est le plus inclusif de la diversité, c'est assez clair. Ah, oh, mais là, dans Johnny, c'est difficile. Là. Des fois, il y a in, des fois, il y a out, non, des fois, il faut que. Copium. Le pire, c'est que genre, je le fais même pas parce que je trouve que c'est vrai ou parce que je trouve que c'est drôle. Nice. Oh, oui. Parce que je trouve que c'est drôle d'imiter Julexi. Je le fais parce que je sais à quel point ça tille Julexi, puis ça me fait tellement rire d'en entendre parler. Oui, Julexi, c'est drôle d'écouter. Ben là, on va arrêter de le déranger. Tu vas attendre quelque chose d'important. Mais non, sa game d'échec est pas importante. De quoi tu parles? Melee, c'est important. Regarde okay, comme nice ce qui se passe en ce moment. Oh, oh oui, bon call out, Lupin. Il a plus fucking kick, par exemple. Il a décidé de juste give up. Ça, c'est un call out d'une plate. Oh, les bot grab. Rudo, il était bon pour faire ça. C'est les bot grab. Puis c'est lui qui fait bot grab. Mais Lupin fait de la misère à tech chase Rudo for some reason. Le reste marche. Fait que, anyway, on s'en fout un peu. Oh, nice tombe. Oh, nice. Attention Needles, ouais, ça fait mal en tabarnak, je mange un full set de Needles, faut que Rudo fasse attention à ça. Fortunate. Il ne faut pas qu'il joue trop sur ledge non plus, il est pas plutôt si quand même bon sur ledge, moi je préfère... Moi, quand quelqu'un est sur ledge, je préfère juste back off et le laisser revenir sur le stage, c'est juste... Rudo ça? Non, ben en général, quand quelqu'un est sur ledge, ouais. Je préfère... Quand il gosse trop sur ledge, à moi, il y a juste Fox, c'est pas si pire parce qu'il y a pas trop de distance... Oh, nice. Horizontale, genre, il peut faire un wavelength, sure, mais... Ouais, t'sais... ça, ben... Fox a une bonne range de ledge dash quand c'est optimisé, mais quel Fox va optimiser ça à notre niveau, right? Ouais, ben les ledge dash, c'est pas facile, ledge dash c'est dur. Ouais, parce que dépapé, mais... ledge dash turnout de tilt avec Fox, c'est absolument broken à quel point c'est bon, là. Ça couvre tellement d'espace. Ouais. Ah, le read est mauvais. Ah, oh, ça va être puni. Oh non! Il a let go of shield, fallait qu'il wave dash out of shield ou qu'il short up knee out of shield. Oh god, c'est dangereux ça. Oh, Lipper qui fait des mind games. Oh, oh nice, ça c'est brillant, ouais. Oui, Rudo. Ah, ouais. Il passe son set de needle aussi, autre aspect important. Ouais. Puis Rudo, je te dis, Rudo c'est un des Falcons qui est plus aware ici de comment punir quelqu'un qui dip l'eau. Qui est danger, ça c'est knockdown danger très, très, ça spell très gros danger pour Rudo. Oh oh. Holy Pipe qui en mange les knockdowns. Ouais, ben Holy Pipe qui trouve juste des nerfs, c'est jamais assez pour envoyer assez loin offstage, mais le down smash va le faire. Il y a 2-1 pour Holy Pipe. Là c'est là que c'est dangereux, parce que Rudo a counterpick sur Pokémon puis a perdu son counterpick. What is he gonna do now? Yes sir. On se demande tous ce qui va se passer. Ok, retour sur Pokémon Stadium. Pas de mauvaise décision. Vu comment ça s'est passé, il y a juste à un ou deux blunders de moins, il gagnait la game. C'est vraiment ce grab-là qu'il faut faire attention. Genre ce grab-là, premier grab-là qui est très dangereux pour... T'as-tu dit le Holy Grab? Non, j'ai rendu ce grab-là. Il y a un grab qui est vraiment dangereux que Holy Pipe fait bien. Puis c'est celui-là, là. Ok, je pensais qu'il allait le faire là, là. Mais ça, c'est dangereux parce qu'il convert tellement bien de ça. Yep. Oh, huge F-tilt.
Le fait un peu moins, par contre, je pense qu'il aurait pu aller chercher OPR à la place pour Extend ou Nair. Mais Falcon Sheik, c'est pas facile. Ok, oh, c'est un peu trollé. Non! Là, pourtant, il sourit pas. Il ne sourit pas. Cet homme est froid comme de la glace. Oh, il est out there pour avoir du fun avec les 7 adversaires. Il est incroyable. Oh, ouais, up smash. Et voilà, un petit sweet spot de trouver. Rudo qui est down une stock sur ce qui est potentiellement sa tournament game. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Oh, nice needles. Il va tomber un punish. Oh non, il est trop brillant. Rudo est trop brillant. S smash. Le pullback des fois de ce S smash là, puis en plus il était dans ce temps puissant. Alors, Sakurai disait genre, oh, il charge son smash, fait qu'on va le rendre puissant. Mais genre, c'est actuellement tellement bon le petit pullback là. Oui. Il est nice. Oh, somehow, il évite le punish. Ok, nice. Oh, grosse conversion. Olipipe qui call out le high recovery. Maintenant, Rudo qui est obligé de go low. Rudo qui pas le tech. Impressionnant. Impressionnant que Rudo rate un tech. Ouais, mais je sais pas, Rudo, je pense pas que c'est sa meilleure soirée en ce moment. C'est la meilleure soirée de personne sauf moi dans le fond. Ouais, parce que Rudo, tantôt, il a joué son Fox contre moi, puis il me jasait, il était comme, ouais, je pense pas que je vais sortir le Fox ce soir, je pense pas que ça va le faire. Parce qu'il cherchait, il voulait savoir s'il counterpickait à l'e-pipe ou s'il y allait avec le Falcon Pick still. Moi, je pense que son Falcon est goaté avec la sauce, puis qu'il devrait rester sur son Falcon tout le temps. Mais c'est chacun son choix, hein. Puis il peux est voir... Rudo qui essaie de faire. Oh! Ça a été crouch cancel, c'était quand même très chanceux. Oh avec, oui! Ça, c'est le pourcentage. 69 ouais, 20%. Every time. Oh! Oh non! Oh non! D'accord, non. C'est toutes les opportunités de punish qui existent qui sont pas là. Encore. Puis le DI, pas eu dans le champ, tech, malheureusement, il pogne pas son DI. Fait que ça, c'est unfortunate un peu oh. aussi. Oh! Oh! Ouais, enfin, il y a des trucs un peu plus risqués. Crash cancel, mais oh. Là, on fait très mal. Nice. Oh, Olipipe tech chase. Non, Olipipe qui cherchait la conversion peut-être un petit peu trop tôt dans son tech chase. Oh. Oh, c'est dans. What the? Okay, il a fait un move là-dedans. L'impression que c'est le moulin S35 ça. Oh mon dieu. Le mouvement de Rudo qui a failli lui gagner cette stock là. Bon, là c'est très très rough. Ça. Anything that sends off stage is gonna hurt. Ouais, F-Trope peut-être pas ce qu'il voulait. Oh, oh, oh ouais, oh. Le F-Tilt qui connecte là-dessus, c'est un peu impressionnant. Okay, oh, 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 oh oui, beau slide off. Donc Rudo, c'est possible, mais c'est difficile. 120%, une stock to go. Je sais pas qu'il niaise trop pendant qu'il était pas que t'investis, parce qu'il était pas le chasseur de faire. Oh, God. Oh, oh. Mmh, ouais, that's it. Ouais. Non, attends, il y a une chance de recovery. Oh, en plus, c'est un weak hit. Il y a une petite chance, c'est Driftmaster Rudo, mais still. Ah. Il y a pas de les techs ne sont pas là ce soir, malheureusement. C'était vraiment une belle grand final, ça. Ouais. C'est bon. Les notifications de 16 de rentrée. Alors.